Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à ce salon et dans cette salle de conférence. Dans une petite vingtaine de minutes, nous lancerons la table ronde avec nos invités, table ronde consacrée à l'usine du futur, à la digitalisation de l'industrie. Mais avant cela, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau Bruno Puechoultre. Monsieur Puechoultre est le vice-président chargé de la stratégie et de l'innovation du groupe Keonis, distributeur intégrateur de solutions numériques, expert reconnu du PLM, la gestion du cycle de vie du produit. Au fil des ans, la société Keonis s'est positionnée sur les secteurs de l'ingénierie et de la simulation numérique. Ce groupe s'est rapproché il y a quelques semaines de Zenit, leader allemand du logiciel et du PLM, un groupe de 800 personnes, est ainsi en voie de constitution. Keonis a dans son portefeuille 1500 clients, dont bien sûr Dassault. Alors, avant de commencer cette intervention, Monsieur Puechoultre me disait que la quatrième révolution industrielle sera numérique et ça change tout. Nous lui donnons la parole donc pour nous expliquer ce qui est en train de se passer. Et ensuite, je vous présenterai les invités de cette table ronde. Soyez les bienvenus et bonne journée à vous. Prenez votre temps, pas de problème. Nous allons d'abord entendre Monsieur Puechoultre. Bonjour madame. La région m'a demandé d'intervenir en bas. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Du coup, le programme a changé. Je suis partie en courant d'en bas. On écoute d'abord Monsieur Puechoultre et ensuite on fera notre tableau. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Bruno Puechoultre. J'étais gentil. Merci de m'avoir présenté juste avant. Juste en introduction, ce que je voulais essayer de brosser aujourd'hui, c'était un peu un petit bilan des enjeux et des opportunités qu'il y a dans cette chaîne de valeur autour de l'industrie du futur. Et effectivement, comme vous l'avez dit, je pense que sur les premières révolutions industrielles, on pouvait se poser la question de savoir d'où est-ce qu'elle venait, des industriels, du numérique. La quatrième, je pense qu'il y a quelques axes qui nous font dire qu'elle viendra vraiment du numérique. Et on va essayer de voir pourquoi. Mais ceci dit, elle viendra du numérique si on respecte un certain nombre de transformations qui ont lieu dans la chaîne de valeur et si on respecte la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas implémenter une révolution numérique sans respecter des usages, une chaîne de valeur telle qu'elle constitue ou telle qu'elle se reconstitue au fur et à mesure. Donc il faut prendre en compte des facteurs de transformation. Au milieu de ces facteurs de transformation, beaucoup de gens parlent des technologies de l'industrie du futur. Moi, je sépare bien deux parties, c'est-à-dire des référentiels numériques et des technologies numériques. Et si on oublie des référentiels pour la technologie pure, comme la réalité augmentée, les IoT, on n'arrivera pas à déployer cette révolution numérique. Et enfin, montrer que cette révolution numérique, on l'appelle l'industrie du futur, mais il y a quand même beaucoup d'exemples présents, et pas uniquement dans le CAC 40 et le SBF 120. Il y a beaucoup d'entreprises, y compris des entreprises de taille moyenne, qui ont progressé énormément sur cette roadmap, et essayer d'évoquer quelques exemples. Et puis après, je me fondrai au milieu de vous. Je suis désolé de prendre ces 20 minutes. Mais voilà, donc la révolution numérique. Moi, je voulais juste
insister sur trois points, et ce sera juste des chiffres au départ, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience de choses. C'est d'abord, les usagers, ils ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on poste toutes les 60 secondes 2 millions de choses sur Facebook. Les réseaux ont transformé la façon dont on communique, et pas uniquement les réseaux 4G, mais aussi des réseaux spécialisés qui permettent de transmettre des données ténues, mais sur des très longs espaces qu'on a, et qui sont intéressants pour l'IoT, justement. Et enfin, j'ai envie de dire, les GAFA, ce que ça a changé, c'est qu'avant, il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune, j'allais au travail pour faire des choses que je n'arrivais pas à faire à la maison. Et maintenant, je rentre à la maison pour faire des choses que je n'arrive pas à faire au travail. Et ça, c'est une transformation qui est redoutable. Et les entreprises, si elles n'arrivent pas à catcher ça, les nouveaux talents, ils vont s'exprimer autrement que dans les entreprises. Donc il est fondamental de prendre en compte ces nouvelles technologies, de les insérer vraiment au cœur des process outillés numériques des entreprises. Quatre exemples, mais c'est juste des chiffres, on va aller très vite. Le big data, pour beaucoup de gens, c'est un mot, mais c'est 24 milliards de chiffre d'affaires en 2016 sur les entreprises qui font du big data. Et tous les jours, sur le cloud, il y a 25 000 fois la taille du congrès, de la librairie du congrès des US qui est ajoutée sur le web. Le cloud, c'est un marché de 60 milliards en 2016. 25% des entreprises européennes ont aujourd'hui une partie de leur SI sur le cloud. C'est pas j'utilise le cloud pour stocker 2-3 documents, c'est j'ai ma gestion de paye sur le cloud, j'ai mon CRM sur le cloud, j'ai un certain nombre de choses sur le cloud qui peuvent être aussi du contenu. Et ça, ce mouvement-là, il n'est qu'à 30%. Hein. Il va faire des effets bien plus importants dans l'avenir. Deux autres facteurs, on en a déjà parlé, la révolution de l'Internet des objets, mais c'est colossal. Moi, je ne me rendais même pas compte à quel point c'était colossal. On est à des centaines de milliards qui sont investis dans les objets connectés industriels tous les ans. Là, vous voyez un peu les industries qui investissent le plus, la production, les transports, l'énergie, le grand public, la banque, assurance, santé, retail. On parle de 200 milliards d'objets connectés en 2020. Ça, c'est pour le monde entier, mais 80 milliards d'entre eux seront des objets industriels et non pas des objets qu'on connecte à la maison. Donc ça veut dire que l'industrie va s'approprier à une vitesse vraiment vertigineuse ce concept d'IoT. Enfin, si on prend la production pure, les nouveaux matériaux, les nouvelles façons de produire, il y a des chiffres qui sont intéressants. 275 000 imprimantes 3D achetées en 2015, 30% par an de croissance. Ok, on sait qu'il y a un petit trou en ce moment, que c'est un peu compliqué parce qu'on cherche les usages, mais ça va remonter, on va retrouver un point d'accroche. Et c'est quand même tout ça, ce sont des facteurs de transformation qui sont importants. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que tout ça, ça se passe pendant qu'en même temps, il y a une vraie démocratisation des données 3D, des données générales dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, là où on avait des plans, aujourd'hui, on a de la CFAO, on reverse engineering des données qui viennent du physique pour les remettre dans des référentiels numériques. On a des tas de données de simulation physique, 3D, pas de 1D, de la documentation technique qui vient en 3D. Des choses comme ça qui sont utilisables de plus en plus downstream dans les process de fabrication et pas uniquement au bureau d'études. D'autant plus que les moyens physiques pour les consommer, ça n'a plus rien à voir. Avant, il fallait des dizaines de milliers d'euros pour projeter une maquette numérique. Maintenant, on fait ça avec quelques centaines. Toute la panoplie arrive pour que les usages soient déployables et démocratisables en même temps autour de ces données numériques. Donc ça, c'était juste pour introduire rapidement cette transformation industrielle. Elle ne peut pas se faire si on ne prend pas en compte un certain nombre de contextes de la supply chain. Je ne vous commenterai pas ce slide, il est auto-commenté. C'est les gros se concentrent, se globalisent pour avoir plus de pression sur les clients, plus de pression sur la supply chain, pour promouvoir un mode d'opératoire de plus en plus global au niveau du sourcing, du sourçage, des approvisionnements, etc. Et en même temps, ça met une pression énorme sur la supply chain qui doit ou s'adapter à ces tendances de compétitivité, délai objectif requis par les clients, ou disparaître ou descendre d'un tiers dans la chaîne de valeur pour se repositionner comme tiers 2 ou comme tiers 3. Donc leurs objectifs à eux, c'est soit je réponds à ces nouvelles possibilités de délai qualité demandées par mes partenaires, soit je développe des nouveaux produits qui vont plaire aux partenaires et qui vont transformer la façon dont j'interagis avec lui, de nouvelles technologies, nouvelles techniques, ou je me repositionne et je propose de nouvelles offres ou de nouvelles façons d'une valeur ajoutée par rapport à mon produit. Et ça se passe en même temps que, on est à 70% si on prend l'automobile, de la valeur du produit final qui est sous-traité. Et qui est sous-traité, non pas uniquement pour de la bigaille,
ou des batteries, sur des choses qui sont pré-ingénérées, mais qui sont sous-traitées sur des systèmes critiques. Si je prends l'exemple du siège Faurecia ou des choses comme ça, pour des boîtes comme Peugeot ou comme Renault, sont des systèmes critiques totalement intégrés à la voiture, d'un point de vue aussi des mécanismes, des automatismes. Et donc, quand on travaille comme ça, on ne travaille plus dans un mode sous-traitant, on travaille dans un mode partenaire, tout au moins. Ce n'est pas uniquement des RFP qui vont nous en sortir, c'est aussi des partenariats à long terme, sur plusieurs années. Et donc, on va changer complètement la façon dont on travaille, tous ensemble, tout au long du cycle de vie, des requirements jusqu'à la production, voire même la maintenance qui peut être intégrée. Donc, on va changer vraiment la méthode de collaboration tout au long du cycle. Le dernier point sur cette supply chain, c'est comme on l'a dit, le produit ne suffit pas toujours. Moi, je pense qu'il suffit quand même encore souvent, à partir du moment où il est meilleur que celui des autres. Mais on va nous demander de le faire dans des cadences plus importantes. Donc, il faut progresser au niveau du produit sur les niveaux de cadence, sur la capacité à fournir la qualité dans un temps plus réduit. En plus, cette qualité, il faut la produire sur des variances plus importantes, puisqu'il y a de plus en plus de niches de production et pas uniquement à produire la même chose pendant ces centaines de milliers de fois. Deuxièmement, il y a la notion de monter en charge de la production. Comment on passe des études à la production le plus rapidement possible, sans remettre, sans repenser, sans avoir à tout refaire dans la chaîne de production, sans avoir à repenser complètement l'usine. Donc la polyvalence des postes de travail qui va avec. Le numérique a un énorme rôle à jouer là-dedans. Et puis après, sur la partie service, par exemple, le pay-per-use, les services après-vente embarqués. On parle beaucoup de services additionnels sur le produit, mais je voudrais aussi parler, peut-être un peu plus tard, rapidement, du fait que le service peut entraîner la vente du produit. C'est exactement l'inverse, c'est pas j'ajoute des services à mon produit, c'est je fais du service, donc je vends mon produit. Et il y a des exemples très intéressants dans l'industrie. Moi, je pense que tout ça, il n'y a que trois principes qui doivent guider les entreprises dans la roadmap. J'en vois trois. C'est que la valeur de ce que j'ajoute, elle doit être attendue par l'écosystème. Deux, on doit pouvoir en maîtriser les risques, parce que c'est nous qui le prenons, le risque. Après, si on propose ça à l'écosystème, il faut qu'on soit capable d'assurer le risque. Il faut qu'on le fasse dans un modèle business qui soit recevable de nos clients, quel que soit le client, B2B ou B2C. C'est-à-dire qu'on trouve le modèle business qui soit recevable. Et des fois, la technologie, elle est là, mais dans des business models qui ne sont pas encore recevables. Et c'est bien ça qu'il va falloir qu'on arrive à coupler avec le temps. Troisième aspect, donc c'est au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie ? Et ce que j'ai réutilisé un vieux foil qui vient de l'usine nouvelle, mais que je trouve toujours aussi intéressant, même s'il a 10 ans, c'est de dire... J'ai des systèmes en amont de ma production et de ma maintenance. Ces systèmes, c'est le PLM qui va me permettre de concevoir mon jumeau numérique, de concevoir mon IP, ma propriété intellectuelle, ce que je vais vendre dans les années à venir. J'ai mon ERP qui va me permettre de penser ma nomenclature de fabrication, mes approvisionnements, mes contrats clients. Et puis, j'ai mon MES, peu importe que ce soit un vrai MES, que ce soit du SCADA pour l'énergie, que ce soit autre chose, qui va me permettre de piloter plus finement mon usine au jour le jour, et de voir comment je produis, de piloter finalement, auditer, être capable de faire auditer aussi le pilotage de son usine. Ça, c'est ce que j'appelle des référentiels. Et puis après, il y a les technologies qui sont dans la chaîne de production, dont on parle énormément en ce moment, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la robotique, la cobotique, les machines intelligentes, l'IoT, les impressions 3D. L'idée, c'est comment je connecte ces technologies à mes référentiels. C'est pas comment je déploie ces technologies sans référentiel. Si je n'ai pas le référentiel, je vais faire un POC. Et quand je vais avoir des modifications, comment je remets à jour ma technologie, puisque je n'ai pas la donnée de qualité qui va avec les gestions de modifs qui vont avec. Donc si je n'ai pas les référentiels de qualité en amont, je ne déploierai pas correctement ces technologies de l'industrie du futur. Donc, un des avis... Donc, j'ai fait juste un petit foil, juste pour repositionner. Ce n'est pas un débat d'experts, on est loin de là. Le PLM, c'est je suis un partenaire innovant, je suis capable d'innover avec vous, parce que je maîtrise ma propriété intellectuelle, mon ingénierie simultanée, ma maquette numérique, et choses comme ça, et je suis un partenaire pour les années à venir. Le RP, c'est je pilote mon entreprise, je ne vais pas tomber à l'eau de demain après-demain, j'ai des contrats, chez les gérés, j'ai une planification, et donc je suis votre partenaire pour les mois et les trimestres à venir. Et le MES, c'est je suis fiable, je vais pouvoir livrer en temps et en heure sur une chaîne de valeur importante où je peux bloquer potentiellement un avion ou une voiture de sortir si je ne livre pas. Donc, je suis un partenaire flexible et fiable en termes d'exécution de production. Ces référentiels, on va essayer de les coupler à ces technologies. Et des technologies, on va revenir, mais ce n'est pas l'idée. C'est juste qu'il y en a plein. Il y aura plein d'exemples qui vont être débattus, je suis persuadé, autour de la table ronde. Ça va être de l'ingénierie numérique, ça va être de la réalité augmentée pour assister aux gestes productifs, ça va être des nouveaux types de robots qui vont permettre d'automatiser un certain nombre
de tâches de production ou de maintenance de l'appareil productif. Ça va être des infra-IoT qui vont permettre, avec des réseaux très bas débit, de rendre des services d'après-vente à des coûts affordables, hein, pas comme le 4G ou le 5G, etc. Donc ces technologies, il faut les coupler au référentiel. Et donc il faut balancer son investissement entre les référentiels qui permettent de donner des données de qualité et ces technologies-là. On ne peut pas déployer des technologies sans des référentiels. Quelques petits exemples, parce que je vais être trop long. Juste quelques petits exemples. Donc ça, c'est un peu les 13 tendances, facteurs de transformation. Je ne vais pas utiliser mes petits... Deux exemples sur le jumeau numérique. On parle toujours du jumeau numérique. On dit ça, c'est un truc pour Peugeot, pour Renault, pour Dassault Aviation, pour Airbus. Je voudrais juste vous dire, il y a une petite boîte, enfin pas si petite que ça, qui s'appelle Bizing Automation. C'est allemand, c'est aussi présent en France, la filiale française. Ils font des préhenseurs. Hein, ils font des préhenseurs pour des chaînes d'emboutissage automobile. Ben leur modèle avant, c'était je vends mes préhenseurs et j'essaie d'être moins cher que les autres ou un peu meilleur que les autres avec mon préhenseur. Aujourd'hui, ils font l'étude d'intégration. Ils utilisent les mêmes outils que PSA ou Chrono. Ils utilisent les mêmes outils exactement et ils viennent faire l'étude d'implantation. Et parce qu'ils font l'étude d'implantation, eh ben, ils vont vendre leurs préhenseurs. Donc leur business model, il est passé d'un business model de produit, un business model, pas de service comme on l'entend. Eux, c'est le service qui vient vendre le produit. Et je trouve ça intéressant parce qu'on parle toujours des services après-vente qui viennent complémenter le produit. On oublie souvent cette technique qui consiste à exactement l'inverse, c'est valoriser le produit par l'étude en amont qu'on est capable d'amener et de prouver que finalement son produit il va découler, il va rentrer naturellement dedans. Je trouve que c'est un truc intéressant, surtout que la filiale française dont on parle, à l'époque où elle a fait ça, ils étaient 12. Si on prend plus gros, on parle toujours du jumeau numérique pour les études, mais en production, si on va dans l'automobile, ça fait longtemps qu'on fait ça, mais dans l'aéronautique, on ne fait pas ça depuis longtemps. C'est d'être capable de simuler finalement des work cells, des cellules de travail de fabrication critique, pour être capable d'anticiper la faisabilité ou les problématiques qu'on va avoir lorsqu'on va la déployer. Ça, c'est intéressant, notamment quand on est en rupture en termes de production ou si on fait des modifications incessantes et qu'on va être sûr que ces modifications vont être avalées en simulation par l'appareil de production. Un troisième exemple, c'est des exemples plus ténus, mais sur le Lean, on parle toujours du Lean en termes de méthodologie, mais il faut le coupler, le Lean. Après, le Lean, c'est bien beau, mais si à chaque coup, après, on met des coups de crayon pour voir comment on va opérer les fiches d'instruction, ça reste un Lean qui n'est pas quand même génial. Si on pouvait projeter les fiches d'instruction ou les mettre dans des lunettes après-demain directement pour l'opérateur, eh ben, on est capable non seulement d'aider l'opérateur, mais s'il y a des nouveaux opérateurs qui arrivent, le ramp-up va être plus rapide. Si on a besoin de créer une nouvelle usine, ça va être aussi beaucoup plus rapide. Et si on veut adapter cette work cell à un autre assemblage, eh ben, ça se fait automatiquement. Donc ça donne de la flexibilité et ça donne aussi du lean à l'appareil de production. Et ça, c'est de la réalité augmentée. Il y a des choses qui se font déjà avec du laser aujourd'hui. Il n'y a pas que la réalité augmentée, bien sûr. Là, je pensais à mes copains de Diotasoft, qui est une petite boîte de 45 personnes en France et qui est remarquable sur ce domaine-là. Le Lean, ça peut aussi passer par des choses qui paraissent très ténues. Chez Safran, aujourd'hui, il y a des parties de Safran où vous avez des visseuses connectées qui vont chercher dans le MES la fiche d'instruction et qui vont visser automatiquement à la bonne pression les assemblages. Bon, ben ça, c'est de la qualité, bien sûr. C'est de la flexibilité, c'est du savoir-faire, c'est du temps perdu, c'est du savoir-faire aussi qui est directement aspiré par l'outil et qui permet à un compagnon moins, un mec comme moi, quoi, qui fait du IKEA, mais pas plus, de faire des choses qui sont déjà de bonne qualité. Le projet Valérie, il y a des gens qui sont dans la salle qui connaissent certainement mieux, c'est des robots collaboratifs qui permettent d'aller chercher des outils dans les magasins, de les ramener à la personne qui travaille avec lui autour de cet assemblage-là. C'est un projet européen. Je voulais aussi citer les IoT, on en parle beaucoup, mais je voudrais séparer l'aspect IoT en deux parties. C'est une partie qui est plutôt liée à la planification industrielle, et là on a des gens comme Alstom, ce qu'ils cherchent eux, c'est de dire je vais avoir un contrat avec mon client, ce client il n'est pas capable d'opérer ses trains tout seul, et moi je vais lui coupler maintenance et opération de façon à proposer une façon de supporter le plan de roulage des trains en prenant en compte la maintenance de façon automatique. Là il y a de l'IoT couplé avec des réseaux bas débit et de l'analyse big data, voire de la simulation derrière, pour vraiment faire la boucle entre le besoin et la solution technique. L'exemple de Potin, par exemple, est un autre exemple assez intéressant. C'est des gens qui font des grues, comme vous le savez,
Et ils ont un système qui permet aux grues de se parler de façon à ce que sur le chantier, elles ne se tapent jamais l'une dans l'autre. Ça peut être intéressant quand même. Et c'est aussi basé sur des réseaux bas débit qui envoient des informations entre les grues. J'ai trouvé ça assez intéressant comme exemple. Il y a beaucoup de projets européens qui dépensent beaucoup d'argent sur ces thématiques-là. L'autre thématique pour les IoT, c'est bien sûr tout ce qui est contrat client, avant-vente, après-vente. Et là, quand on voit des gens comme Colarail qui aujourd'hui ont des éclisses de trains, enfin de rails, qui sont connectés et qui permettent de voir quand est-ce qu'elles ont cassé ou quand est-ce qu'elles vont casser ou prévoir un peu mieux quand est-ce qu'elles vont casser, ça va permettre sur les réseaux ferrés de faire des gros changements. Engie, Cofélie qui propose à ses clients de dire on a anticipé, on voit pourquoi est-ce que vous allez produire et ce que vous allez dépenser comme énergie. On propose un contrat forfaitaire, si ça dépasse c'est pour nous, si on gagne par rapport à ce qu'on a prévu c'est pour nous deux. Donc on est dans un espèce de win-win avec un forfait maximum et s'il y a du gain pour les deux entreprises. Ou Michelin, bon, on en a beaucoup entendu parler, il y a pas mal de communication Michelin en ce moment, mais celle qui est en opération déjà pratiquement, c'est vraiment les pneus connectés et la capacité finalement de dire à des flottes de camions, il va parler votre pneu, donc on va savoir exactement quand est-ce qu'il va être sous-gonflé, quand est-ce qu'il va être usé, et donc prévoir des trucs de maintenance globaux sur les... Ça a permis à Michelin notamment de battre Nexter sur des contrats à l'export uniquement parce qu'ils étaient capables de mieux maintenir les pneus. Voilà, donc des exemples comme ça, je vais passer. Pour rapidement conclure, il y a finalement une phrase que j'aime beaucoup, c'est M. Schwab qui est connu, c'est le créateur de Davos. Alors bon, Davos, ça parle à tout le monde, mais... Ce qu'il dit, et je trouve qu'il le dit bien, c'est « Le monde se trouve à l'aube d'une quatrième révolution industrielle. Elle fusionne les technologies et brouille la démarcation entre les sphères physiques, numériques, voire biologiques. » Je dis « voire » parce que là, j'y connais rien. « Contrairement aux mutations passées, elle va bouleverser des systèmes entiers de conception, de production, de distribution et de consommation. » Donc on est bien dans une révolution qui n'est pas limitée à l'usine du futur, mais à l'industrie du futur. Et pour vraiment conclure en une phrase, je voulais dire que ça doit être mené par les usages. C'est-à-dire que c'est pas la techno elle est là derrière, elle va vous permettre de faire les choses, mais c'est les usages industriels dans la chaîne de valeur qui doivent nous guider, une chaîne de valeur qui est en constante évolution. À mon avis, les régions investissent, hein, on voit des événements comme ça, que je trouve assez impressionnant quand on voit l'évolution en 2 ans de ce qui se passe dans la région, avec les plateformes qu'elles mettent en place, les audits qu'elles mettent en place, l'écosystème technologique français est remarquable, il y a des boîtes dans tous les domaines hein, qui peuvent aider. Il y a des succès industriels dont j'ai essayé de parler, mais dont on va parler plus profondément, qui sont déjà là, et pas que dans les boîtes du SBF 120. Et si je devais dire une chose, c'est que je pense que si l'industrie revient en France, si elle peut revenir en France et en Suisse, en Allemagne encore mieux, puisqu'ils en ont déjà, mais ce sera cette nouvelle industrie qui reviendra et pas celle qui était là il y a 20 ans. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Pouchoultre, pour cette... Ce gros chapeau introductif tonique et passionnant, vous pouvez nous rejoindre, merci. Un jour, un journaliste a demandé à un consultant s'il pouvait lui citer un métier qui n'ait pas encore été touché par la digitalisation, le numérique. Alors le consultant a longtemps hésité et puis il a fini par répondre « peut-être boulanger » et il s'est ravisé, il a dit « ben non, encore qu'on peut imaginer très vite des fours dotés d'une intelligence artificielle ». Alors primaire, secondaire ou tertiaire, aucun secteur ne résiste, on l'a vu, à la révolution digitale, l'agriculture, la défense, les transports, la médecine. Dans tous les domaines, la transition numérique, elle aussi, est en marche, même si c'est d'abord dans l'industrie que les évolutions sont les plus radicales. Alors en quoi le digital bouleverse-t-il les procédés industriels, les business models, la gestion de la relation client, le management, la formation? Voilà, ce sont toutes ces questions que nous allons tenter d'explorer au cours de ce débat, en 55 minutes, donc c'est court, mais nous avons des intervenants de très grande qualité. Je vous les présente rapidement, Madame Anne Vetter-Trifit, donc PDG de Velum, l'entreprise familiale que votre père a créée et que vous avez reprise en 2012 avec votre époux. C'est une PME de 180 personnes, spécialisée dans les luminaires professionnels. Et votre entreprise, on va en parler dans un instant, vient d'être labellisée vitrine de l'industrie du futur il y a un mois. On est donc dans l'actualité. Vous avez l'âge de l'entreprise que vous dirigez, 42 ans, vous êtes ingénieur Supélec, conseillère du commerce extérieur et vous y tenez, commandant de la réserve citoyenne. À ses côtés, Christophe Moignet, directeur régional de Siemens pour le Grand Est et sa partie industrie. Vous avez 42 ans également, ingénieur de formation. En préparant ce débat, vous m'expliquiez que vous étiez à la fois
utilisateurs et fournisseurs de solutions, puisque vous concevez des logiciels, des machines et des synthèses, des systèmes pardon, d'automatisation, mais vous en utilisez aussi. Alors c'est ça qui est intéressant. Monsieur Van Felt, à vos côtés, délégué régional de Syntec Numérique, correspondant de l'Alliance Industrie du Futur pour le numérique sur la région Grand Est. Syntec est un syndicat professionnel, c'est le syndicat du numérique. Il représente 1800 entreprises et 80% du chiffre d'affaires du secteur. Vous avez 53 ans, vous êtes ingénieur et vous travaillez par ailleurs chez Divalto, où vous concevez des logiciels de gestion intégrés. En tout cas, c'est l'objet social de cette entreprise. Monsieur Aragon est à vos côtés, Julien Aragon, responsable du projet Industrie de demain chez EDF au niveau national, ingénieur et économiste. Vous avez 36 ans et vous travaillez sur une double transition, la transition numérique mais aussi énergétique, puisque c'est votre métier. Et puis Horacio Miranda est également là. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Créavisio, un cabinet de conseil qui tente d'inoculer, s'il en était besoin, la culture du marketing aux entreprises qui font appel à vous. Vous avez 58 ans, ingénieur des mines. Vous avez vécu de l'intérieur la révolution des start-up, dans le domaine des télécoms notamment. Et votre credo, c'est de dire qu'avec notre esprit latin et cartésien, on se focalise souvent sur la technique, le savoir-faire, à la différence des Américains qui, eux, s'intéressent d'abord aux clients et à ses besoins. Et le digital, c'est d'abord pour vous une opportunité pour retravailler l'offre. Voilà. Merci à vous tous d'être là. Je me tourne d'abord vers Madame Vetter-Trifit. On l'a dit dans un instant, il y a un instant que votre société a été labellisée vitrine de l'industrie du futur. C'est très rare pour une PME. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour recevoir ces lauriers ? Alors, oui, bonjour. C'est toujours très compliqué de se dire comment on s'y est pris. Je pense que simplement, il faut avoir envie de faire progresser son entreprise. On a profité il y a 2 ans du diagnostic de la région sur la démarche industrie du futur. Ce diagnostic-là a relevé quelques leviers de progression qu'on a essayé d'appliquer. Et au fur et à mesure, à force de côtoyer effectivement, je dirais, une certaine communauté, j'ai entendu parler de cette labellisation et je me suis dit pourquoi ne pas tenter d'aventure aussi. On est un labellisé un peu différent des autres. On n'a pas seulement mis en valeur un robot ou la numérisation de quelque chose. C'est plus toute notre chaîne de valeur qui a été labellisée et c'est ce qui est peut-être un petit peu différent des autres. Ça veut dire simplement qu'une PME peut très facilement être labellisée à partir du moment où elle a entrepris une démarche et qu'elle a envie d'être là demain, quoi. Alors il y a le label, mais il y a aussi la réalité, ce que vous avez réalisé. À quoi ressemble votre usine aujourd'hui ? En quoi est-ce qu'elle est déjà un peu futuriste ? Alors, la première des choses, effectivement, c'est qu'on s'est vraiment intéressé aux clients et on s'est rendu compte qu'en éclairage, surtout dans l'éclairage professionnel, il était important de tenir compte de la configuration des lieux du client, de ses envies, de l'émotion qu'il a aussi envie de transmettre. Qui d'entre vous n'a pas eu un éclairage juste trop bleu ou trop agressif dans son bureau, dans son hall de production ? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un truc ignoble ? Est-ce qu'on produit ? Non, on peut juste se sentir bien aussi en production. On peut se sentir bien dans son bureau, on peut se sentir bien dans les boutiques, dans la grande distribution. Donc, on a trouvé des moyens de produire des luminaires, mais à la commande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un catalogue de plus de 150 000 références, mais qui ne sont fabriquées qu'à la commande, ce qui nous permet d'adapter très strictement l'ensemble des luminaires à notre client. Donc, pour être là et pour pouvoir proposer des produits fabriqués en France, qui ne viennent pas ni de Chine, ni de Roumanie, ou des pays de l'Est, parce qu'il y a une vraie pression économique, on a réussi à fabriquer à prix marché des produits complètement adaptés à nos clients. Et donc, cette production très flexible, c'est l'un des leviers. Pour y arriver, on a dû informatiser toute la chaîne de valeur. Et d'autre part, on a essayé également de faire des économies de ressources, tant sur le carton, l'énergie, l'éclairage, bien évidemment. Et au final, parce qu'il est important et que pour moi, l'homme est vraiment au cœur de l'usine, et cette industrie 4.0, pour moi, elle ne doit surtout pas détruire des emplois, mais juste les conserver ou en créer d'autres, parce qu'il y a cette peur-là. Eh bien, nous, depuis qu'on a engagé la démarche, on a 20% de personnes en plus en production, ce qui prouve qu'avec les mêmes hommes qui progressent juste parce qu'on co-construit avec eux leur outil de travail de demain, eh bien, on recrute, on fédère, et voilà. Alors, vous dites, oui, l'usine du futur, ce n'est pas seulement des robots,
Ce sont des hommes, et sans hommes, il n'y a pas d'usine. Ah oui. Donc là, vous cassez le cliché de l'usine totalement automatisée, robotisée. Ce n'est pas ça du tout qui se prépare. Hein. Pour moi, le robot, il est collaboratif. Aujourd'hui, il n'y a plus des robots dans des boîtes. C'est ce qu'on voit quand on visite ce salon. Et c'est ce qui est formidable. Aujourd'hui, le robot vient aider l'homme. Il collabore avec l'homme. On pérennise des jobs. Alors évidemment... Il y a certains managers de premier niveau qui ont disparu, qui m'ont dit moi jamais je vais faire ce que tu avais envie de faire, jamais je veux donner de la responsabilité à mes opérateurs. Ben, ces gens-là, ils sont partis, ils sont allés trouver ailleurs ce qu'ils cherchaient. Mais globalement, en fait, je trouve qu'effectivement, moi je suis très fière de voir mes employés sourire quand je vais les voir tous les matins. Et voilà, donc l'homme est là. Alors, il y a un terme en préparant ce débat que vous avez utilisé plusieurs fois, et tous les invités ici présents l'ont repris à leur compte, sauf monsieur Pouet-Schultre, mais je suis sûr qu'il l'utilise souvent, c'est le terme d'agilité. C'est un terme très à la mode, alors, qui suscite un peu de circonspection chez les journalistes. On se demande c'est quoi l'agilité. Alors qu'est-ce que vous mettez devant ce terme qui revient très très souvent? Bon, alors moi je mets plein de choses, il n'y a que moi qui parle en fait. Non mais on va faire circuler la parole, ne vous inquiétez pas. Moi je mets plein de choses dans l'agilité. Simplement, déjà, il faut que l'entreprise puisse s'adapter au marché. Le marché, il évolue tellement vite. On a toutes les deux minutes une nouveauté technique, une nouveauté technologique. Alors lancez-vous tous tout de suite dans l'industrie du futur, parce que n'attendez pas que demain ça soit mieux. Demain, ça sera forcément mieux. Alors si on n'y va pas maintenant, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est important. Donc l'agilité, par exemple pour moi, je peux facilement reconfigurer ma production, doubler mes capacités de production très rapidement. On va s'adapter très très vite aux besoins du client, c'est ce que je disais tout à l'heure. En 2-3 jours, je fabrique des luminaires avec une teinte dédiée aux luminaires, avec énormément de conditions très particulières à la destination finale. Et c'est ça, c'est être très à l'écoute du marché, savoir répondre très vite et pouvoir adapter son entreprise à tous les problèmes qui vont arriver, parce qu'il y en aura tout le temps, demain, tous les matins, il y en a en fait. Et l'idée, c'est d'être agile pour trouver la bonne solution le plus vite possible. Voilà. Et puis l'agilité, je finis parce qu'il faut que je rajoute encore. Moi, ce que je veux aussi, c'est beaucoup d'agilité dans les jeunes qui vont venir demain dans les entreprises. Parce que les métiers de demain, on ne les connaît pas. Et ce que moi, j'attends surtout dans cette agilité-là, c'est que, eh bien, on puisse les prendre et puis s'adapte à tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on ne sait pas encore. Et voilà. Alors, vous êtes très impliqué dans la relation école-entreprise. Hein. Ça, aussi. C'est aussi l'un de vos credos. Vous en avez beaucoup. Oui, je suis dans des conseils d'administration. Je suis marraine d'une mini-entreprise. Je fais visiter mon entreprise tout le temps. J'ai 4 personnes en alternance sur un personnel de 80 personnes dans les bureaux. J'ai à peu près 10 stagiaires... collégiens, tout le temps, chaque année. Je trouve d'ailleurs que cette formule est nulle, mais j'en discuterai ailleurs. Une semaine, c'est trop court. Voilà. Par contre, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'industrie, elle donne encore une image beaucoup trop sale, genre Germinal. Il faut arrêter d'étudier Germinal en classe et étudier l'industrie du futur et expliquer aux jeunes. Ouais, alors on va créer un livre, c'est ça, on va s'y mettre tous. Et dire que l'industrie, elle peut être sympa, elle peut être belle, elle peut être confortable. L'école, les petits jeunes qui sont venus... Et bien éclairés, évidemment. J'ai un groupe de jeunes filles qui m'ont dit « Oh là là, mais chez vous, en production, les filles, elles ont les ongles vernis. » Mais vous vous rendez compte de l'image que ça donne? L'angoisse, c'est de se dire « Oh là là, demain, je vais bosser dans l'industrie. Ça ne sera pas bien. » Mais si, ça sera génial. Alors, monsieur Moignet de Siemens, l'industrie, l'usine du futur, elle sera joyeuse, comme le prédit madame. Et qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme agilité qui revient sans cesse et qui est un terme important? Alors, effectivement, passer derrière un, c'est jamais évident. Chez Siemens, nous avons une agilité dans le sens, comme vous l'évoquiez en introduction, nous sommes à la fois concepteurs de systèmes qui permettent d'être agiles, donc de systèmes collaboratifs, que ça parte de la machine, on l'évoquait tout à l'heure avec la présentation d'introduction, donc de la machine ou de l'objet, et on remonte jusqu'au système global d'information de l'entreprise. Mais l'agilité même est sur également les produits commercialisés. Et c'est souvent le produit qui crée derrière le besoin et l'agilité de l'entreprise.
Et je vais prendre un exemple très concret. Enfin, Anne le citait dans l'exemple de ces luminaires. Chez Siemens, c'est pas très loin, donc sur notre site d'Agno, nous fabriquons de l'instrumentation et nous avons pour un type d'instrument 13 millions de variantes possibles en fonction des options retenues. Sachant que la plupart du temps, ce sont des commandes unitaires qui sont honorées pour le monde entier. Voilà ce qu'on entend par agilité. Il faut pouvoir honorer ces commandes sans non plus donner des délais insurmontables et qui seraient finalement pénalisants par rapport à des concurrents ou des gens qui sont localement situés. Et en même temps, il faut pouvoir garder les cadences que nous connaissions de la production, je vais dire, de masse, qui était le modèle historiquement admis lorsqu'on est passé à l'automatisation et qui permettait de sortir, je vais dire, du débit sans pour autant avoir la personnalisation et l'aspect unitaire que l'on a aujourd'hui. Alors, Monsieur Van Velde, pour vous, la vraie révolution. Alors, vous êtes le délégué régional de Syntec Numérique, je le rappelle, le syndicat de ce secteur. Pour vous, la vraie révolution, c'est le changement de business model qu'implique et permet le numérique. Vous dites que l'industrie du futur repose sur un changement total de paradigme. La logique de la digitalisation revient à ajouter du service au produit pour transformer le produit en service. Monsieur Pouéchoultre a déjà évoqué ce sujet. On passe d'une économie du produit à une économie de l'usage et de la fonctionnalité, et le produit finit par devenir un service. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, on comprend bien, mais... Oui, je pense d'ailleurs Anne a donné l'exemple, hein, et c'est vrai qu'Anne a dit beaucoup de choses, et c'est notamment pour ça qu'on est très heureux au niveau de l'Alliance qu'on ait une PMI, notamment dans le Grand Est, qui est ce fameux label, puisqu'il n'y a que 20 labellisés à ce jour en France. On a 3 dans le Grand Est, dont 2 en Alsace, et dont une PMI. Donc voilà, encore félicitations à Anne. Et effectivement, le problème que l'on a souvent, c'est que bon, les termes sont de plus en plus galvaudés, et on ne sait plus ce que veut dire la digitalisation, la transformation numérique. Et souvent, des chefs d'entreprise me disent, bah oui, bah moi j'ai mis un ERP, j'ai mis un PLM, j'ai mis enfin tout ce qu'on a dit avant, qui sont des technologies, des outils. Mais ça, ce n'est jamais que la poursuite, certes, qui s'accélère de plus en plus, d'automatisation, de rationalisation, parce que on a des outils, alors qu'ils soient numériques ou non numériques d'ailleurs. Hein, mais voilà, ça c'est dans l'air du temps depuis des décennies. Ça s'accélère à cause des technologies qui sont de plus en plus performantes et puissantes. Mais c'est pas ça un projet de transformation numérique ou un projet d'industrie du futur. La finalité, parce que c'est le monde économique dans lequel on vit, on est dans une ère, la quaternaire, qui est une ère effectivement de l'usage, du service et de la fonctionnalité. Donc si on n'a pas compris ça, on se trompe d'objectifs stratégiques dans son projet d'industrie du futur ou de transformation numérique. Donc une fois qu'on a défini cette stratégie qui revient à dire, effectivement, comme vous l'avez dit monsieur tout à l'heure, c'est d'abord le service qui est attendu par le client, donc comment je transforme mon produit en service, donc je loue entre guillemets sous forme d'un abonnement quelque chose et le produit n'est que le moyen de rendre le service. Alors il y a des secteurs où je cite souvent l'agroalimentaire parce que la boîte de petits pois, je ne vois pas bien comment je la transforme en service. Dans ces environnements-là, il faut rajouter le service qui fait que le client a un service parce que, à la limite, la boîte de petits pois, quand il en a envie, elle est dans son frigo au moment où il en a envie. Alors, c'est pas toujours un tour de passe-passe et de magie, mais voilà, il y a un certain nombre d'exemples qui commencent à dire qu'on prédit quand est-ce que le consommateur a besoin de ça. Et c'est ça le service qu'on attend. Après, on mange effectivement la boîte de petits pois. Le service, entre guillemets. Oui, il reste des produits consommables quand même. Et bah oui, bien sûr, heureusement. Mais avant tout, je suis allé chercher le service. C'est un peu le problème de la grande distribution qui dit je fais du drive parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire mes courses, je vais chercher mes courses. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce que si effectivement mes courses arrivent chez moi par rapport à mes habitudes d'achat ou mes envies, voilà, et ben ça, c'est un vrai service ou un faux, chacun précise selon son besoin. Mais voilà, c'est vraiment cette logique de. Alors en bon français, on dit service et digitalisation. Servicialisation, c'est très compliqué à dire, c'est toujours mieux que dire ubérisation et compagnie. Mais ce qu'on constate, pour finir là-dessus, c'est que toutes les entreprises, et Dieu merci, toutes ne sont pas encore disruptées, mais enfin toutes celles qui témoignent sur une disruption ou un risque perçu de disruption, ce sont des entreprises qui n'ont pas vu cette dimension service. Et le dernier point, parce qu'il y a toujours le repositionnement dans la chaîne de valeur des écosystèmes, vous l'avez dit monsieur tout à l'heure, c'est on regarde autour de soi, typiquement quand on fait les fameux SWOT, on regarde la concurrence, sa concurrence habituelle autour de soi. Sauf que les disruptions viennent généralement de concurrents qui sont totalement hors du secteur dans lequel vous êtes positionné. Et d'ailleurs, une vraie stratégie, puisqu'il ne faut pas toujours être sur la défensive, mais agressive, c'est d'aller regarder dans quel secteur on peut aller s'introduire dans une chaîne de valeur en étant évidemment dans les rangs les plus hauts, proches du client et pas se retrouver au dernier rang.
Parce que les gens qui sont disruptés, c'est parce qu'ils perdent le contact avec leurs clients, parce qu'un opérateur de service, c'est comme ça que ça s'appelle, s'est mis entre eux et leurs clients. Et ils vont acheter les outils chez ceux qui n'ont pas compris le service, et c'est eux qui font le service. Une seconde de sémantique. La disruption, effectivement, c'est un terme très à la mode. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est le disruptif. En fait, c'est se faire prendre son marché ou sa position dans la chaîne de valeur par un autre acteur. Donc on change, ou alors on peut utiliser d'autres noms barbares, la désintermédiation de sa relation client qui se réintermédie souvent entre... Regardez Airbnb par exemple, ou Uber, la désintermédiation entre l'hôtel et la personne qui va aller dans l'hôtel. Alors dans ce domaine-là, on cite beaucoup d'exemples B2C parce que c'est les plus flagrants, mais ça arrive ou ça arrivera aussi dans le B2B, qui fait que maintenant c'est la plateforme de service qui fait, j'allais dire, la loi, en tout cas la relation client entre je cherche une voiture... ou avec chauffeur ou sans chauffeur d'ailleurs, je cherche une chambre d'hôtel et je passe par une plateforme de service qui me rend en relation où je commande un plateau repas et il vient de je ne sais quel restaurateur parce qu'une plateforme de service, je ne vais pas faire de pub, m'a proposé de me livrer par rapport aux critères qualité, de rapidité, de coût, enfin tous ces critères qui font que c'est mon expression de besoin et qu'on répond à mon expression de besoin plutôt que de me donner des outils pour que moi-même je résolve le problème que j'ai parce qu'on m'a donné la boîte à outils. Moi j'attends qu'on me donne un truc tout cuit qui marche tout de suite. Alors tout le monde semble d'accord autour de cette table, on ne développe pas des outils numériques pour faire joli. Je vous cite in extenso, monsieur Aragon, donc responsable du projet Industrie de demain chez EDF. Donc on ne développe pas des outils pour développer des outils. Ce qui compte, c'est l'excellence opérationnelle. Alors qu'est-ce que vous, c'est quoi pour vous et c'est quoi à EDF l'excellence opérationnelle que vous visez? Alors, je vais essayer déjà bonjour à tous. Je vais essayer de me raccrocher un peu à ce qui a été dit précédemment. Les outils numériques, ils servent à deux choses. Un, effectivement, la compétitivité. C'est-à-dire qu'on développe des outils numériques pour que, finalement, notre produit, ce qu'on vend, ce que l'industrie vend, soit le moins cher possible, le plus compétitif. Comment on y arrive? Déjà avec du lean, on y arrive en consommant mieux aussi, hein, en produire mieux, en consommant moins de ressources. C'est un de nos credos d'ailleurs. C'est tout ça la compétitivité. Les outils numériques aujourd'hui permettent d'améliorer la compétitivité parce que tout simplement les puissances de calcul, la technologie d'aujourd'hui fait qu'on peut rajouter plusieurs couches numériques, avoir des espaces numérisés avec de l'intelligence artificielle ou des choses assez développées qui permettent là de faire des gains concrets. Donc ça c'est un point. On fait ça pour développer la compétitivité de l'industrie. Il ne s'agit pas de suivre un mouvement. Et puis l'autre point qui n'est pas directement lié à l'excellence opérationnelle, c'est ce qui a été dit précédemment, le numérique peut aller jusqu'à transformer les business models des industries, et donc ça aussi c'est un paramètre important. On continue ce tour de demi-table. Monsieur Miranda, donc du cabinet Créa Visio, vous aussi, là aussi il y a consensus. Vous expliquez qu'on n'achète plus des produits mais des usages, on n'achète plus des boulons mais des moyens de fixer deux pièces. Bon, ça a d'ailleurs toujours été le cas, simplement on le formule peut-être autrement. Mais vous dites surtout, notre boulot c'est de détacher l'entreprise de ce qu'elle produit pour se concentrer sur ce qu'achète le client. Le client, le client, le client. Les entreprises françaises n'attacheraient pas assez d'importance, selon vous, aux clients par rapport aux Américains ou aux Chinois? C'est vrai. En fait, pour reprendre ce qui a été dit par Anne et par Thierry, c'est quelque part le problème, c'est que comme on est dans un monde qui bouge beaucoup, avec des disruptions perpétuelles, si on n'est pas concentré sur ce qu'achète le client, on peut sortir du marché. Quand on dit, pour prendre un exemple, mais vraiment aujourd'hui, est-ce que les gens achètent toujours des voitures? Et est-ce que demain, il y a toujours tout le monde qui achèterait des voitures? Moi, par exemple, si on pouvait m'offrir une solution de mobilité et m'enlever le poids de la gestion d'une voiture, mais j'achète tout de suite. Donc, en fait, si on n'est pas focalisé sur le client, et qu'on est focalisé sur ce qu'on produit, eh ben on va produire des voitures ou des boulons de mieux en mieux, de plus en plus efficacement. On va mettre du numérique dans la production pour améliorer la productivité, mais on va décrocher par rapport au marché. Parce que en fait, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui achètent des voitures, qu'il y a des gens qui achètent la reconnaissance, qu'il y a des gens qui achètent la mobilité. Et donc, on décroche. Et quand on prend l'exemple du boulon, c'est ça.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se concentrer sur, bien sûr que les gens achetaient déjà de la fixation quand ils achetaient un boulon, mais le fait de le focaliser sur le client et par rapport à ce qu'a dit Thierry, ce qu'ont dit Thierry et Anne, et puis vous également, c'est-à-dire, si mon métier n'est pas de vendre des boulons, mais mon métier est de permettre à un client de fixer deux pièces, je vais ouvrir des portes entières sur ce que je peux proposer à ce client-là. Je peux ouvrir des portes sur au niveau profondeur parce que je vais peut-être l'aider à mieux fixer ses pièces. Je vais l'aider à concevoir la fixation des pièces en amont. Je vais en aval regarder comment, pour la maintenance, il faut désolidariser ses pièces. Et on va avoir, avec du service, avec du numérique, avec le numérique qui aide énormément, bien sûr, à tout ça, comment est-ce qu'on va pouvoir changer son modèle économique, changer son offre. Et ce n'est pas forcément, enfin, vous l'aviez dit au début, en disant, on se focalise souvent sur le côté un peu cartésien, on va dire on va faire un plan pour changer mon modèle économique, je vais mettre en place une stratégie à 5 ans, et c'est bien. Mais en focalisant sur ce qu'achète le client, on peut avoir une action pragmatique demain et avoir une offre complémentaire demain. Alors, monsieur Pouechoultre, vous êtes un peu notre grand témoin. Qu'est-ce que vous inspire ce que nos amis invités viennent dénoncer? Ils sont d'accord avec vous, globalement. Hein. Oui, mais ils insistent sur des choses qui sont... parce que ce sont des industriels, pour la plupart, et donc ils insistent sur l'aspect industriel que moi, même si je s'en suis un grand témoin, j'en suis qu'un témoin. Et même si j'ai travaillé dans des groupes industriels, j'oublie avec le temps, je me focalise sur d'autres choses. Donc moi, je retiens bien sûr l'aspect focalisation client, même si quand on transforme des choses, il faut aussi savoir s'en détacher, des fois pour faire un step que le client n'attend pas. Et c'est la seule limite que je mettrais à ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que c'est Bernard Charles, le patron d'Assosystem, je parle pour Siemens, mais, qui disait un truc très intéressant un jour, il disait « si j'avais écouté les clients, j'aurais fait du 2D&demi ». Voilà. Donc j'aurais fait, pardon ? Du 2D&demi. Au lieu de faire une planche à dessin en 2D, j'aurais fait du 2D avec une élévation et ça aurait suffi. Or, on a fait un système full 3D et c'est ce qui a permis peut-être une révolution différente. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien entendu être à l'écoute de façon à adapter son offre et proposer quelque chose qui a une vraie valeur au client avec le service associé. Et parfois, pour certains projets secrets, il faut savoir aussi se retirer et sortir complètement de ce qu'attend le client pour revenir avec une valeur qui peut être encore plus grande. Je pense à ce que vient d'annoncer Michelin pour les 10 prochaines années. Alors c'est très rare, en plus Michelin est une entreprise très secrète et qui vient de nous dire que dans 10 ans, ils feront des pneus à vie, rechépables à volonté, c'est-à-dire qu'on n'achètera plus de nouveaux pneus, mais on ira chez Feu Vert ou je ne sais pas où, et ils nous feront le pneu qu'on veut à la volée en imprimante 3D. C'est juste ça, je pense, que personne ne l'attendait. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le bémol que je mettrais, mais c'est un bémol parce que c'est 10%. Et le 90, il est bien dans ce qui a été dit juste avant. Pas seulement suivre le client, mais le précéder parfois. Voilà, c'est ça que par moment, inventer quelque chose qui n'est pas interdit d'innover. Pas que attendu, voilà. Mais on peut être sentir, mais sans être vraiment à dire qu'il est attendu. Vous êtes d'accord, madame Vetter-Triffy, avec ça? Souvent, on peut créer le besoin chez les gens parce qu'ils ne s'attendent pas ou ils n'imaginent même pas. La première fois, quand on a eu un smartphone, on s'est dit, c'est bien, ça va téléphoner. Mais aujourd'hui, on fait tout avec. On réserve des hôtels, on se dirige. Enfin, c'est notre vie. Moi, je vois ma fille, elle n'a pas son smartphone, elle est désespérée. Quoi. Et en fait, je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil, même moi, même vous. Aujourd'hui, on bosse avec le téléphone. Et même la formule classique du PC, elle est déjà destinée d'avance à mourir. On le sait, quoi. Voilà. Alors, une usine, c'est de la production. J'aimerais, monsieur Moignet de Siemens, que vous nous disiez deux mots sur le projet King Center. C'est vos plateformes collaborative, comment ça marche? Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure d'outils PLM. Donc, effectivement, Siemens met à disposition un outil PLM qui permet, en fait, on parlait d'évolution finalement des compétences, au sein d'une même entreprise, de faire collaborer les entités qui, historiquement, avaient quand même une culture qui leur était propre. Alors, je prends un exemple très simple et assez basique, mais lorsque vous concevez un produit ou une machine, vous avez un bureau mécanique qui fait des plans, vous avez un bureau électrique qui met la partie électrique derrière ses plans pour que la machine puisse être animée, et derrière,
en troisième et dernière passe, vous avez un automaticien qui essaye d'animer tout ça et de mettre un automate, des moteurs, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir animer cette machine. Et aujourd'hui, lorsque vous devez concevoir cette machine, vous n'avez plus le temps que vous aviez à l'époque. On a pour habitude de dire l'échelle de temps a changé, 24 égale 6, c'est-à-dire quand vous aviez 24 mois avant pour concevoir par exemple une machine ou faire un projet, aujourd'hui vous n'en avez plus que 6. Donc vous devez forcément rogner des étapes. Et comment est-ce qu'on les rogne? En pouvant travailler en parallèle. Donc vous avez des métiers qui évoluent, à savoir que le mécanicien doit déjà avoir des notions de ce que sera sa machine, mais ce que ça implique pour son collègue électricien et automaticien, et inversement. Et cette plateforme collaborative, en fait, permet de suivre l'évolution d'un projet. Donc demain, si le mécanicien change une caractéristique de sa machine, on va prendre un exemple très concret, il avait un vérin qui faisait une certaine longueur, 100 mm. Ce vérin passe à 200 mm. Donc lui, il est impacté naturellement et l'intègre. Comment il informe ses collègues que de cet impact et de cette modification? Et bien, cette plateforme collaborative permet de transmettre l'information automatiquement aux parties intéressées et impactées, sans pour autant perdre l'historique de la machine, parce qu'il peut être parfois intéressant de revenir en arrière pour repartir d'un état intermédiaire, pour faire évoluer la machine sans repartir d'une feuille blanche. Et donc, cette plateforme collaborative permet aux différents services, inclus les achats, qui sont une partie intégrante de l'entreprise, qui font finalement le calcul de la valeur de la machine pour pouvoir la commercialiser, ou du produit. Et donc, ça permet de fédérer tous ces services autour d'un seul et même projet, sur une plateforme commune, qui suit l'évolution sans pour autant perdre le fil, je vais dire, de la conception. Alors je regarde Sandrine qui est la gardienne du temps ici et ce temps défile trop vite. J'avais 10 000 questions à vous poser mais la règle c'est 35 minutes de débat, 20 minutes de parole données à la salle. Donc avec grand plaisir, si vous avez des questions, eh bien la parole vous sera donnée. Si vous avez des questions à nos invités, des envies de rebondir sur ce qu'ils ont, pu dire. C'est souvent la première, la plus difficile. Non ? Je vais me permettre de faire un petit complément. Oui. On a parlé en introduction, et c'est vrai que c'est important, et on le voit de plus en plus, de la donnée, digitalisation. On voit le nombre incroyable de données que l'on stocke aujourd'hui. Mais voilà, Big Data... Big Data, il y aura un débat cet après-midi d'ailleurs. Tout à fait, donc ça fait vraisemblablement à minima le bonheur des data centers, mais derrière, quel usage en fait-on? Que fait-on de ces données pour l'industriel, pour le consommateur? Et l'enjeu est là en fait, c'est de tirer, je dirais, la quintessence de ces données, à minima de remonter les données essentielles et de savoir les traiter, les interpréter derrière, pour pouvoir en faire des modèles qui soient exploitables, pour garder, comme on le disait lors de ce tour de table, une longueur d'avance, anticiper le besoin, anticiper le produit de demain qui peut-être n'existe pas, mais qui permet d'être deviné au travers de ces fameux modèles. Donc, de la donnée, oui, à partir du moment où elle est pertinente. Monsieur Van Velde, par ordre d'importance, quels sont, selon vous, les facteurs clés de la transformation numérique, la stratégie, une vision globale, un changement de culture produit-service, comme on l'a vu, le management, la gestion des compétences? C'est quoi? Oui, je pense que c'est tout ça. Il y a deux choses. Il y a effectivement les points d'attention qui font qu'il ne faut pas prendre un projet de transformation numérique ou d'industrie du futur, je dirais comme un projet classique, parce qu'on l'a dit, c'est un projet stratégique, donc déjà, il faut une vision globale de l'entreprise, il faut bien connaître la totalité de l'entreprise, dans la fameuse vision 360 degrés de l'entreprise. À partir du moment où on parle de service, bah, effectivement, une culture d'entreprise, si elle est très cadrée, produit, c'est pas la même chose qu'une culture d'entreprise de service. Donc forcément, ça a un impact sur, on l'a vu, Anne l'a cité, les méthodes de management du personnel, les responsabilités, leur donner aussi donc les compétences et la formation qui va bien, avec des nouvelles techniques de formation, parce que toutes les technologies numériques, par exemple la réalité augmentée, virtuelle, etc., permet aussi de former les gens beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus pragmatique, aux opérations à faire sur un poste de travail, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des points d'attention importants. Après, le facteur clé de succès, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui pilote ça au niveau, en tout cas raccroché au niveau de la direction de l'entreprise, pour fédérer, qu'il soit transverse à tous les services. C'est aussi, on l'a dit, cette fameuse agilité, c'est-à-dire pas se lancer dans un projet qui va durer 2-3 ans où tout le monde va s'épuiser, parce qu'en plus, on l'a vu, comme tout bouge très rapidement,
bah, vaut mieux des petits projets, des sommes de petits projets de 3 à 6 mois, je vais dire, parce qu'on a des résultats, on a le droit de se tromper aussi. Donc si on se trompe, c'est plus facile de faire machine arrière ou de jeter une partie de ce qu'on a fait, sachant qu'on apprend toujours de, c'est pas forcément un échec, mais de choses qui n'ont pas marché en 3 à 6 mois, que d'avoir passé un an ou deux à faire des choses où là on se dit mais on ne peut pas jeter parce qu'on a dépensé trop d'argent. Voilà, donc je pense que c'est ça les principaux points clés. Et surtout, Anne l'a dit, il ne faut pas d'abord hésiter à y aller, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'exemples et de plus en plus de TPE et PME qui y vont, et ça je trouve ça fantastique. Et puis si on attend toujours en disant on a le temps, on verra demain, je vois encore beaucoup d'attentisme quand on fait des présentations auprès des comités de direction de PMI régionales, ils disent oui, bon, de toute façon on a déjà toute cette pile là de projets à faire, donc on verra après. Mais de toute façon la pile de projets, elle n'arrête pas de se remplir, donc c'est le on verra après, il reste toujours on verra après, jusqu'au jour où on est dans le mur, on se dit mince, ça y est, on vient de se faire disrupter, j'aime pas trop le terme, mais on n'a encore pas trouvé de terme un peu français sur le sujet, parce qu'un concurrent, lui, n'a pas attendu, il y est allé. Alors oui, c'est pas simple, parce qu'il faut bien faire le quotidien, et il faut faire la stratégie. De nos jours, tout ça, enfin, dans tous les secteurs, y compris dans le numérique, on est confronté à ça. Mais à un moment donné, il faut passer le cap, parce que sinon, c'est garanti. À 99%, dans les 10 ans qui viennent, il y a des entreprises qui vont disparaître, parce que, ou des secteurs entiers qui disparaîtront, parce que, on parlait de l'automobile, c'est un excellent exemple. L'opérateur de service, c'est effectivement ce que Horacio a appelé la mobilité. Moi, à la limite, je m'en fous de savoir si c'est une voiture avec chauffeur, ou si j'ai acheté une voiture, ou si c'est un vélo, une trottinette, voilà. Demain, on dit bonjour. La presse disait, et si Uber se faisait ubériser? Oui, Uber se fera jamais ubériser, parce que Uber, c'est pas une compagnie de VTC. Uber, c'est un opérateur de mobilité et de services de transport. Donc demain, s'il faut une voiture sans chauffeur, d'ailleurs, ils sont aussi dans la même sphère que les gens qui font la fameuse Google Car, eh ben, ils mettront des voitures sans chauffeur parce qu'ils répondent à un besoin qui est je vais d'un point A à un point B selon des caractéristiques qui sont la durée, le prix, la qualité de service. Si je veux un chauffeur pour discuter, j'ai un chauffeur. Ça, tout ça, c'est du service et je note le service. Donc si je note le service, ça veut dire que j'indique à mon prestataire ce que j'aimerais qu'il y ait ou ce que je n'ai pas apprécié dans son produit. Ça c'est aussi la fameuse notion de consommateur qui vient, consomme acteur. Monsieur Miranda, je vous pose la question. Vous voyez-vous un secteur qui pourrait échapper encore à cette révolution, à ce quatrième révolution, disait monsieur Peuchoultre, à ce changement de paradigme? Juste avant de répondre, oui, à votre question, je voulais répondre un petit peu, rebondir sur deux points. C'est-à-dire que effectivement, la difficulté par rapport au point d'avant, c'est-à-dire, c'est de comprendre le besoin du client, ce que disait Thierry, ce que vous disiez. Et en tant que fournisseur, on est un des acteurs clés pour comprendre le besoin du client. C'est pas le client qui sait le mieux exprimer son besoin. Donc le big data, la compréhension du pourquoi il fait ça. Je veux dire, on prend l'avion, mais pourquoi on prend l'avion? Si c'est pour communiquer, alors si on trouve un moyen de communiquer mieux, on a plus besoin d'avion. Donc c'est pas de dire tiens, vous, pourquoi vous prenez et c'est quoi votre besoin, parce que le client, il sait pas exprimer qu'il veut de la mobilité. Il saura pas l'exprimer et il saura pas exprimer qu'il veut de l'éclairage. Peut-être un petit peu, mais pas bien. Et donc, c'est le big data. Il doit aussi contribuer pour que nous, fournisseurs, on comprenne mieux ce qui va être fait. Donc, c'est juste en préalable. Après, par la question, c'était de dire est-ce qu'il y a un métier qui ne va pas être subir ça? Non, j'en vois pas. J'en vois pas du tout. Je vois même des métiers. Je prends des exemples, le médecin généraliste, pour sortir un peu de ce cadre, on se dit, tiens, un médecin, non, mais c'est un médecin. Aujourd'hui, le médecin, il est passif, il attend que les patients viennent. Peut-être que demain, il aura des tableaux de bord avec tous ses patients, il surveillera quel état de santé, il dira, tiens, Horacio, il n'a pas l'air en forme en ce moment. J'appelle Horacio, je dis, tiens, vous ne pouvez pas venir, quand est-ce que vous pouvez venir là dans la semaine qui vient, parce que au niveau de tension, au niveau sucre, au niveau machin, au niveau je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc je vois aucun métier qui ne le soit pas. Et donc il faut être attentif à l'évolution. J'ai une question pour Monsieur Aragon, mais la salle, semble-t-il, en a une ou d'autres, des questions. Donc, madame. Ah, alors, il y en avait une autre derrière d'abord, et puis vous aurez la parole ensuite, mademoiselle. On vous fera passer le micro. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour, et bienvenue. Bonjour, merci pour vos interventions. Et je voudrais revenir sur l'aspect humain qui a été évoqué. Comment avez-vous accompagné la transformation justement digitale auprès de vos salariés, de vos collaborateurs? Vous avez parlé tout à l'heure de la réaction de certains membres de l'encadrement qui ont choisi plutôt de partir. Est-ce que vous avez accompagné d'une façon particulière cette transformation? Alors vous vous adressez à Madame Vetter-Triffy? Oui, absolument. Alors Madame.
Alors, nous, c'est une PME. Donc, 180 personnes quand même. Oui, mais nous ne sommes que 80, 90 sur le lieu de production. Voilà. Donc, on a une vraie problématique, c'est l'argent. Et un sou est un sou. Donc, on fait beaucoup de choses sur le tas. Voilà. Donc, j'ai pris un petit groupe d'opérateurs. Je leur ai confié un ordinateur en leur expliquant pour quelles raisons il y avait l'accessibilité à certaines notices, au guide de montage, au suivi de leurs données de production. Et puis, j'ai laissé ça comme ça dans la main de ce petit groupe en leur disant, ben, écoutez, vous regardez et puis on fait un retour. Mais avant les 15 jours que je leur avais laissé pour faire un tour, j'ai les autres personnes qui sont venues dans mon bureau en me disant, mais pourquoi nous, on n'y a pas eu droit ? Et en fait, on se rend compte simplement que tout le monde est demandeur quand on leur explique pourquoi et quand on leur dit que notre objectif, ce n'est pas de les licencier, en fait. C'est juste ça, c'est juste expliquer aux hommes qui sont importants. Alors évidemment, il y en a qui ne resteront pas, il y en a qui seront sur le côté, il y en a qui ne s'adapteront pas. Et ceux-là, ils partiront d'eux-mêmes ou ils se feront pousser par les autres, parce que c'est comme ça la vie, c'est comme les plantes quand elles poussent. Et voilà. Et après, évidemment, dans le management un peu plus haut, et là, il y a des formations parce que c'est important, parce que les nouvelles données sont importantes et les nouvelles technologies. Mais je ne suis pas non plus une... vraiment très pro de la formation antique avec le formateur qui vient, etc. Il y a énormément de mocks, enfin, il y a plein de nouvelles formules, des formations avec une prise en main à distance, il y a tellement de choses qui existent. Et donc, je pense qu'il y a aussi complètement une formation du futur. Le formateur d'avant, il n'existe plus comme il existe. Et ça, c'est vraiment important. Donc, à partir du moment où il y a pas mal d'échanges et où on explique aux collaborateurs qu'on a juste envie qu'ils soient encore là demain, ben, ils ont envie, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Autre sujet important, en effet, la formation, on aura peut-être le temps d'y revenir. Mademoiselle ? Ça va pouvoir me permettre de rebondir, et c'est assez intéressant. Justement, je voulais évoquer l'aspect humain que vous aviez évoqué, madame, et je vous en remercie. Je pense qu'on se pose tous cette question avec la digitalisation. Moi, je voulais m'adresser du coup à vous autres, les industriels, en première loge de cette transformation. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement dans les entreprises aujourd'hui pour accompagner ce changement ? On sait qu'environ 60% des métiers de demain n'existent pas encore. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez en place et comment vous l'appréhendez ? Qu'est-ce que vous vous dites en réunion, en gros, quoi ? Voilà, comment vous allez... Monsieur Arago, peut-être d'EDF, qu'on a assez peu entendu. Alors, mais, déjà, pour vous rassurer, les grands groupes industriels prennent la question très au sérieux. La question de la transformation, ils la vivent aussi. Ils sont même, par rapport au tissu de PME, tout ça, un peu en avance, finalement, si on regarde les choses, en tout cas en France. Donc ça fait longtemps qu'on regarde ces sujets. Et après, le sujet est vraiment très vaste. Hein, on parle de transition dans la manière de manager les gens. On parle de manière de travailler des gens différentes également, avec l'association, avec le robot. Toute forme de robot, d'ailleurs, ça dépend des industries. Donc il y a tout qui change. Nos modes de formation changent également, hein, quand on citait les exemples, formation à distance, formation par l'exemple, tout ça c'est en pleine révolution. Et pour, alors moi je suis qu'un témoin, hein, dans mon entreprise de ce qui se passe, ça c'est un mouvement qui est très fort en ce moment. Voilà. Et il y a tout qui change et ça vous fait peur ? Non, je pense que j'ai une consoeur. Moi, j'ai une bonne réponse là-dessus, c'est-à-dire que je pense que les entreprises qui ne prennent pas ce sujet-là, effectivement, vont avoir des risques. La meilleure protection d'un salarié vis-à-vis de son entreprise, c'est de pouvoir accompagner son entreprise dans sa transformation, pardon. Parce que tout simplement, s'il ne fait pas, il y a des risques importants pour l'entreprise. Donc ça, c'est très important. Il y a une facilitation quand même, c'est les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes générations sont nées avec le numérique, ont beaucoup plus l'habitude d'utiliser ces outils que les générations un peu plus anciennes. Et ils apportent beaucoup à l'entreprise sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, y compris les salariés, peuvent être des moteurs très, très importants dans ces transformations. Et je pense qu'ils doivent prendre ce rôle, hein, d'ailleurs. Monsieur Pouet-Schultre, pour cette question très intéressante, concrètement, comment ça se passe dans les boîtes ? Moi, je trouve que c'est un des dossiers les plus épineux, parce que ça dépend quel rapport on a au travail, en vérité.
C'est très personnel finalement, donc on vient avec des transformations parce qu'on va pousser tous. On est décideurs, donc on pousse. Malgré tout, il y a une dimension très personnelle au travail et je pense que c'est aussi une évolution mentale quand même qu'il faut avoir par rapport à ça. On l'a dit, il y a des métiers qui n'existent pas, qui ne vont plus exister. Nous, on vit tous les jours. Il y a des gens qui avant aidaient les gens à mettre des méthodologies de travail en CAO en place. Qu'est-ce que j'en fais moi demain de ces gens-là? Aujourd'hui, les méthodologies, elles sont en place. Je ne veux pas dire qu'on ne peut rien apporter, mais ce que je veux dire, c'est qu'on apporte moins. On apporte sur d'autres pans, des pans plus processus, donc ce n'est plus les mêmes personnes. Donc, bien entendu, on a ce problème de montée. Mais pour répondre à la question, c'est quand même une question très épineuse, je suis d'accord. Alors, en France, on a mis ça en plein milieu de l'usine du futur. Hein, ça, c'est le thème 5, pouf, l'homme dans l'usine. En Allemagne, ils ne l'ont pas mis. Et pourtant, en Allemagne, il y avait hier M. Blanchet ici, hier soir. C'était très intéressant parce qu'il nous dit, nous, on a mis ça au milieu, les Allemands n'ont pas mis. Ouais, mais les Allemands, ils ont déjà les représentants du personnel, pardon, les syndicats, qui sont dans la transformation et qui participent au truc. Et nous, on n'y est pas du tout. Nous, on a donné la formation à gérer aux partenaires sociaux. Elle est gérée, comme vous le savez, c'est-à-dire à la mode d'il y a 25 ans. Et aujourd'hui, on met l'homme dans l'usine, mais les partenaires sociaux ne sont pas dans la transformation de l'usine du futur. Donc voilà, ça, c'est la France. Ça fait partie de nous. On est créatif, on avance des trucs, et puis après, on a des trucs qui restent à l'arrière. On raccroche les wagons comme on peut. Le modèle de proximité dont vous avez parlé, c'est un modèle de proximité, coaching, responsabilisation, personne machin, on n'est plus sur le vertical pur. Ben moi, j'y crois. Forcément, j'y crois. Mais moi, j'essaie de le faire à l'échelle de mon entreprise et de mes gens qui tournent autour de moi. Montrer que la formation, c'est pas je pars une semaine et je reviens, c'est du coaching en permanence pour changer les mentalités, c'est des séances de brainstorming pour voir comment on peut changer la façon de délivrer un service. J'ai du mal à avoir une réponse qui soit beaucoup plus formelle que ça. Voilà. Vous vouliez réagir, Madame Vetter? Oui, en fait, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, c'est plus simple parce que tout est un peu plug and play, c'est comme Apple, ça fonctionne, enfin, c'est, voilà, et les gens comme eux, alors, il y a plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens comme eux, quand ils conçoivent, ils le conçoivent tout de suite de manière super ergonomique et compréhensible parce que ben, ça devient simple. Et c'est surtout ça. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus 3 mois de formation pour essayer de comprendre comment on va programmer je ne sais pas quoi. On y va, il y a les guides, tout est évolutif. Et limite, le guide nous dit ben, appuie là, t'as compris ? Ouais, c'est bon. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de dire, c'est que la formation, elle va être un peu sur le tas. Et surtout, les experts d'hier, ou nous, ingénieurs, eh ben, on est morts, quoi, entre guillemets, demain. On aura un peu d'expérience, mais notre savoir-faire sur les techniques qu'on avait, ben, c'est foutu, quoi. Et c'est pour ça que voilà. Juste un exemple pour rebondir là-dessus, ce qui est très intéressant. Rassurez-vous, vous avez eu un label qui montre que vous n'êtes pas totalement foutu. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'adapte. Oui. Un peu obsolète. Oui, monsieur. Ouais, moi, j'ai fait la même école, donc. Oui, Supélec, donc. Ouais. D'accord. Juste un exemple pour illustrer ça, sur l'aspect formation. C'est aussi l'un des services que proposent les fournisseurs aujourd'hui. Quand on dit, finalement, on ne vend plus un produit, on vend un service, on vend y compris de la formation, et des fois sous des formes que vous n'imaginez pas. Par exemple, quand aujourd'hui, les robots, on va dire les robots dernière génération, effectivement, ils vous sont livrés, vous appuyez sur 3 boutons, le robot il est programmé. C'est-à-dire que c'est le robot qui embarque finalement toute la complexité numérique finalement et qui la simplifie à l'extrême pour que ce soit une expérience utilisateur simple, facile. Donc effectivement, quand on parle numérique, il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe un peu de peur de ces outils-là. Et aujourd'hui, les fournisseurs ont pris cette dimension. La dimension de la formation et de l'utilisation de ces outils, avoir le corps aussi. Hein. Juste un petit commentaire, parce que, en fait, par rapport à la formation, on voit effectivement un grand écart, parce que je suis aussi d'une grande école où on apprend des choses un peu classiquement. Et alors vous êtes un gazard, hein, c'est ça, hein, arts et métiers. Mine. Ah, mine, pardon. Mine. Ah, oui, alors, qui est le il y a un ingénieur des arts et métiers, ouais. Cet après-midi, je crois. Et en fait, quand on regarde des nouvelles écoles, enfin, je pense à l'école 42, Epitech, enfin, des choses comme ça, enfin, mon fils est à Epitech. Oui. Ils n'apprennent pas. Ils apprennent à apprendre. Mmh. Et c'est ça qu'il faut.
le monde de demain bouge tellement vite, il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas apprendre quoi ? Ce qui s'est passé hier, ben, ça ne change rien par rapport à ce qui... Enfin, ça ne va pas définir ce qui va se passer demain. Donc, en fait, ben, il faut apprendre à apprendre. C'est ça la clé. Parce que là, on sera armé pour apprendre ben, ce qui arrivera demain et qu'on ne connaît pas encore. Juste mon petit commentaire. C'est pour ça ce que je voulais dire, là je vais prendre ma casquette de chambre professionnelle, mais c'est vrai qu'on a des grosses discussions, des gros échanges avec toutes les filières de formation, qu'elles soient la formation initiale ou la formation professionnelle continue, parce que là on a un choc générationnel avec des générations qui effectivement ne sont pas formées du tout de la même manière. On est dans ces phénomènes de nouvelles écoles, alors dans le numérique, mais dans tous les secteurs, où on apprend effectivement différemment, on apprend à apprendre, ce qui veut dire qu'il faut aussi apprendre aux salariés à apprendre un peu par lui-même. Alors il faut lui donner les moyens, les outils qui vont bien. Le numérique peut aider, certes, mais c'est vrai que là, il y a une évolution importante qu'il faut faire, je dirais, dans chaque secteur pour faire bouger les choses, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, c'est des sujets que je traite depuis plusieurs mois, ça va prendre du temps de faire bouger des institutions qui s'est habituées, parce que c'est d'abord prévu par la loi, comme ci, comme ça, c'est structuré, et que si ça bouge pas, effectivement, on va être freiné, parce que les entreprises, elles ont l'imagination qui vont bien pour faire des choses, mais il faut le faire, parce que le système ne va pas répondre à toutes les problématiques, mais il faut arriver aussi à faire bouger dans chaque branche la manière dont on envisage. Et pourquoi l'Allemagne s'en sort mieux ? C'est que l'Allemagne est un pays qui fait beaucoup plus d'apprentissage qu'on ne l'a fait, donc vous savez tout ce qu'est l'apprentissage, ça part de ces principes-là, en fait. Et un dialogue social plus poussé, oui, plus, bien sûr, plus moderne. Alors après, on rentre dans un débat politique sans fin, mais oui, c'est vrai, on a ce handicap-là, donc on a besoin explicitement de traiter, de faire un groupe de travail à l'Alliance sur la place de l'homme et de la femme dans l'industrie du futur, mais c'est parce qu'on a toutes ces contraintes-là. Merci. Alors, Sandrine me fait de grands signes, inflexibles, pas moyen de prolonger ce débat parce qu'il y a d'autres rendez-vous. Désolée, mademoiselle, mais y aura sans doute possibilité, même à coup sûr, de discuter avec nos intervenants hors plateau, si j'ose dire. Merci beaucoup à vous tous. Deux autres débats que je vous propose d'entendre cet après-midi, en tout cas, je serai là pour les animer, le Big Data donc à 14h et la robotique et la cobotique à 15h30. Merci madame, merci messieurs.